Salut, c'est Shunchi et moi ici pour le 31e épisode d'ITC Imperial Training Cube. Et hier, que j'ai fini mon épisode, je suis directement parti me coucher donc j'ai pas pu examiner exactement comment marchait mon ancienne machine. Alors vous avez vu, j'ai quand même posé les câbles et tout. Enfin, je n'ai remodifié car il y avait un petit problème de structure. Et là, je remarque que les nitres diesel remplissent. Donc les 4 premiers nitres diesel sont remplis. Et les 6 suivants sont remplis de diesel cell. Et si je regarde mon tri, j'observe que j'ai des cellules, que je n'ai pas de nitro-diesel, vu que je n'ai pas de de glycéryl. Mais par contre, j'ai bien un surplus de diesel cell. Ce qui est en final bien positif. J'ai aussi observé une diminution de redstone. Hier, j'étais à 32 000, aujourd'hui je suis plus qu'à 27 000. Donc ça coûte aussi beaucoup de redstone de faire tout ça. Donc je vais rajouter une abeille qui me fait de la redstone. Ben, tout simplement, ça sera plus facile pour tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ah oui, toutes les diesel, je vais bien les transformer en nitro-diesel. Et je vais encore transformer le sulfurique, car si je vous rappelle bien, on obtenait dans la réaction. Ceci des sulfuriques acide sel qu'on peut utiliser dans le craft suivant, dans différents crafts, dont celui-ci. On peut s'en servir dans le craft. Oups, je me suis trompé de côté. Dans le craft, je disais donc, dans le craft des single-use batteries. Ça demande du lead avec des copper câbles bah, c'est tout, voilà. Ou sinon, c'est une recette pour augmenter le nombre de RE batteries. Alors à mon avis, je vais garder 64 en réserve pour pouvoir faire cette recette-ci qui sera plus rentable, je pense. Et sinon, je vais utiliser tous mes single-use batteries pour me faire encore un peu plus d'énergie. Comme ça, je rentabiliserai un maximum la réaction. Ah, de temps en temps, je suis vraiment content de ce qui se passe. Bon, donc j'ai envie d'automatiser le glycéryl. Alors pour automatiser le glycéryl, on va commencer par faire des carbon cells et des aqua cells. Enfin, des water cells. Alors il faut des empty cells et des sugars. Alors déjà ces deux éléments-là, je les ai déjà automatisés précédemment. Alors maintenant l'histoire c'est de retrouver l'électrolyseur là-dedans. Toi t'es électrolyseur, donc toi t'es une plate bending machine. Et toi tu m'as l'air d'être une centrifuge. Toi t'es un électrolyseur. Non t'es une centrifuge. Toi? Non. Ah toi tu m'as l'air. Oui, parfait. Alors là, il y a du rubis, il fallait pas mettre de rubis ici. Et c'est 32 et 7. Parfait. Et dans 10 secondes, j'obtiens mon résultat. Alors qu'est-ce que je vais obtenir? C'est cette partie ici. Donc c'est pour obtenir le water cell et les carbon cells qu'on a besoin. C'est 5 et 2. Donc on va déjà prendre les cells, on va déjà se les permettre. Donc water cell, 1, 2, 3, 4, 5. Carbon cell, 2. Parfait. Donc c'est ce qu'on obtient dans mon craft. On va le définir ce craft-là comme celui obtenant les carbon cells encodés. Donc ça me fait un craft nouveau, un nouveau craft, un craft supplémentaire qu'on va placer dedans. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Glycéryl. Oui, il y a eu tonnerre dehors. Je l'ai pas vu venir. Donc j'ai mes water cells automatisés. Il manque encore mon nitrocarbone. Alors ça s'obtient avec du carbon cell et des nitrogènes. Alors ceci on peut l'obtenir soit avec du saltpeter, soit avec de l'underpearl. Alors là j'utilisais un deuxième électrolyseur vu que cet électrolyseur est déjà attribué à trois crafts, dont un des crafts qui m'est déjà intéressé. Qui m'est déjà utile dans le craft que je vais utiliser au total. Donc comme ça peut faire deux choses en même temps, ce sera un peu plus rapide au final. Donc ici il me faut juste une importe et normalement c'est bon. Il faut alors ici, donc ça c'est retire pastèque, parfait. Et dans celui-ci je dois mettre la recette, laquelle déjà? La recette du nitrogène que j'obtiens avec de la underpearl dust. Alors l'underpearl dust s'obtient un pour un. Alors là ça va peut-être coûter cher. Je me lance peut-être sur un craft un petit peu trop compliqué je pense. Vu que des enderpearls, j'en obtiens à l'infini, mais je ne pense pas que ça puisse subir ce rythme-là. Il serait peut-être plus intéressant que je le fasse avec du saltpeter. Je
pense que le salt pelter est une meilleure idée. Mais le salt pelter, comment on l'obtient? Ça, c'est encore toute une autre question. Saltpeter. Putain, c'est un nom compliqué. On l'obtient avec des saltpeters or, mais on va le faire sans nous. Avec des tinny, du potassium, du compressate et du nitrogène. Ouais, non. Dans là-dedans. Ah! Mais alors, je devrais avoir beaucoup de saltpeters déjà. Ah oui, j'en ai déjà 6000. Ah oui, donc je vais plutôt travailler à base de ce craft-là. Donc, je disais que le glycéryl, on l'obtient. Désolé si je vous reprends pour tout le craft, mais comme ça vous permet de voir comment je réfléchis. Hein. C'est ma façon de travailler. Et je vous l'apprends d'une certaine manière. Donc, 7 et 10. Donc, hop, hop. Salpelter. Saltepper. Ou sale truc bazar chouette. 8 et 1, 2. Voilà, ça fait 10. Et ceci, c'est pour le craft de quoi? Bon, on va le savoir dans 10 secondes. Le temps de le mettre dans l'électrolyseur, dans un autre électrolyseur. Youp. Ici. Donc, 10 et 7, ça devrait le faire. Parfait. Et on obtient, c'est pour le nitrogène, je pense. Donc, on obtient des nitrogènes sel. Et 2, vu que c'est la première fois que j'en crafte. Donc là, jusqu'à présent, normalement, votre cerveau est toujours branché à votre tête. Et c'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi tu veux pas... Voilà, encoder. Ça me fait une nouvelle recette. Ça va, ça progresse. Ensuite, donc je vais juste le mettre dans la machine. Comme ça me fait la recette supplémentaire que je connais. Et maintenant, une fois qu'on a ça, il faut crafter le nitrocarbone. Donc le nitrocarbone, c'est un chemical reactor. Mais le chemical reactor, c'est celui-ci. Et il est mis dans un craft automatique. Quelque chose qui se fait tout le temps. Donc on va utiliser un deuxième chemical reactor. Et je vous reprends une fois que j'ai crafté toutes les machines. Allez, à tout de suite. Bon, donc j'ai un petit peu avancé tout seul. Donc ici, d'un côté, j'avais les nitrodiesel, donc ça c'était bien avant. Après, on a fait les nitrogènes sel qui permettent elles-mêmes d'obtenir zut, comment ça s'appelle? Nitrogène carbone sel, des nitrogènes carbone sel, des nitrocarbone sel, pardon, qui permettent elles-mêmes de faire les glycérils. Alors, j'obtiens 6 glycérils par truc. Maintenant, je dois juste lui dire quand est-ce qu'il doit le crafter. Ou pas spécialement. Je dois peut-être juste lui dire. Alors ce craft là, je peux le mettre ici. J'ai peur qu'il bourre dans ce cas-là. J'ai peur qu'il y ait du bourrage. J'ai peut-être envie qu'il crafte des nitro. Celui-là, j'ai envie qu'il le crafte. Pas quand il a une glycérine dedans, mais quand il y a 4 diesel. Je vous explique. Regardez. Hop, hop. Là, il y aura un signal de redstone. Il va donc appeler les ressources. Donc, il va forcer un craft ici, qui va forcer un craft ici, et qui va crafter là. Et donc, à chaque fois qu'il y a 4 diesel cell, il va faire tout ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va me faire mes glycérils. Oh, c'était super malin. J'ai eu ça, cette idée-là, comme ça d'un coup. Super. Donc, c'est-à-dire que j'aurai tout le temps des nitro diesel. Et je dois juste supprimer un truc. C'est là-bas, dans mes tables de craft. Je dois retirer tout ce qui est en rapport avec le nitro. Enfin, le diesel, celle. Et seulement utiliser le craft avec les nitros. Alors, normalement, ça devrait fonctionner à partir de ce moment-là. Donc, les deux premiers sont des nitros, et après, ce ne sont plus des nitros. Pourquoi? Je veux que tu utilises le 21. Ah, c'est buggé. Voilà. Hop. Nitro. Voilà. Et encore une fois, nitro. Et voilà. Et donc maintenant, il va plus que recevoir des nitros dedans.
Et normalement, je devrais fabriquer suffisamment de glycéryl à chaque fois par demande pour faire le nitro. Donc, j'ai encore automatisé une partie de mon craft. C'était super malin quand même de la façon que je l'ai fait, je trouve. Après, c'est de l'autogratulation, auto-truc bazar chouette quoi. Et donc, c'est peut-être un petit peu trop vantard de dire ça. Mais c'est pas grave car moi, je suis quand même fier de moi. Et c'est l'importance. L'important. L'importance. Ouh là là. Ça va mal, Shunchi, ça va mal, ça va même très mal. Vérifions juste que ça fait bien ce que je veux que ça fasse, hein. Là, il y a les diesels qui sont déjà là. Et là, il est en train de préparer les glycérils au fur et à mesure. Là, il est en train de préparer les nitrocarbones qui lui manquent. Donc, ça va être super. Et vu que j'utilise à chaque fois une machine différente, ce sera bien. Ah, et j'ai mis un overclocker par machine, ça accélère un petit peu la vitesse. Là, je suis à rien du tout car c'est un électrolyseur en fait. Tiens, mon électrolyseur doit aussi tourner. Ah non. Non, car j'ai du salpêteur en masse, c'est ça? Je sais plus quand je fais des carbon cells. Quand je fais mes carbon cells déjà? Mes carbon cells, je les fais avec du salpêteur. Mes salpêteurs dans une. Ah, c'est ici normalement le salpêteur. Ouais, et pourquoi il le fait pas? Car on a vu, j'ai des carbon cells en rab. Ou des nitro en rab. J'ai des nitro en rab? Non. Pourquoi il les crafte pas? Pourtant, il en a besoin ici des nitrogen cells. Ah, car le craft n'est pas encore fini. À mon avis, il doit finir le cycle pour redémarrer le prochain. Donc là, il envoie. Et là, le salpêteur devra arriver. Non? Non, pourquoi? J'ai vérifié la table. Ça m'étonne que ça le fasse pas, que ça rappelle pas déjà des ressources. Là, il manque des carbo des oils. Et là, il manque des nitros pour faire le truc. Hein? Il manque des oil cells. Il m'en a jamais manqué depuis. Ah, il en manque une. Oui. Et toi, qui va le refaire directement. Et là, oil cells, il le fait où? Il le fait quelque part par là, à mon avis. Dans la centrifuge, ici. Non, ici. Ouais, ici. Mais pourquoi l'électrolyseur? Et pourquoi il l'appelle pas en électrolyseur? Car là, il a. Là, il va finir le craft. Il l'a fini. Ah, mais il a encore des ressources en rab, d'accord. Il a encore du glycéryl, du diesel, je parie. Ouais, il en a un rab, à mon avis, il va finir. Je vais vérifier ça et je vous tiens au courant par la suite. Et c'est parti, on va automatiser la dernière partie qu'il me fallait faire. En fait, je peux encore faire de l'énergie avec les sulfuriques. Alors, c'est justement ce que je vais faire. Je vais automatiser avec tout ce petit système. Donc, en fait, je veux tout le temps avoir 128 dans mon tri. Une fois qu'il y a 128, c'est-à-dire qu'il y a un signal de redstone. Quand il y a un signal de redstone, je veux qu'on craft des single use. Qu'on les craft. Et donc, c'est ce qui devrait se passer d'ici peu. Il devrait crafter des single use. Mais il le fait pas. Craft quand ça. Single use. Pourquoi il le fait pas? Quand signal de redstone, je veux qu'il craft toujours. Quand signal de redstone, je veux qu'il crave des single-use batteries. Et il n'en fait rien. Pourquoi? Je sais pas, moi, je vais peut-être retirer et remettre la ME. Pourtant, le craft, je l'ai bien. Ah non, j'ai encore le craft sur moi, donc il ne le connaît pas encore. Voilà, donc là normalement il devrait me crafter des single use. Et il me les craft en grande quantité car ça se craft par 32 à la fois. Alors maintenant, on va retirer un tesseract. Item ici, celui que j'ai nommé diesel. Donc le dernier, le 25. Je vais prendre des nitro. Des single use. Énergie batterie. Vous avez vu, ça se craft très très rapidement. Parce que j'en avais énormément de sulfurique en réserve.
Donc, on va envoyer ça et on va renommer single use battery. Et oh, c'est pas là qu'il faut appuyer, c'était l'autre single use battery plus OK. Et il va l'envoyer là-bas. Alors, il me manque 10 générateurs, donc gêné. Il en faut 10 et c'est bon, il fait nuit, on va vite un petit home, on va vite dormir, on fait un petit slashback et on finit la full automatisation de ma tour distillation. Et après on va repartir sur une partie que j'attendais depuis un certain moment maintenant, mais c'était pas trop pressant au final, c'était voilà, enfin je suis content que ça arrive maintenant quoi. Plus tard ça m'aurait un petit peu énervé. Alors ça s'est déjà crafté, super. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut mes items Tesseract vu qu'il en faut 5 items Tesseract. Zut, 1 et 5. Zut. Oh, c'est... J'ai... Ouais, je fais des actions qui se réalisent pas, ça m'énerve. Bon. On les pose vite, on met tout ça. Ça me fera, je ne sais pas combien d'énergie en plus. Je pense que c'est 100 EU en plus. Mais bon, étant donné que je suis, que mon but c'est d'avoir 1000 EU, 10 000 EU, c'est bien de rajouter, même si c'est faible quantité, c'est déjà ça en plus. Donc, hop, plus 25 plus. Enfin, accepter plutôt. Privé 25, accepter. 25, privé 25, accepter. Et ici, 25, accepter. Et là, normalement, j'ai des single use qui devraient arriver. Ah, pourquoi elle n'arrive pas? Ah, ça c'est une bonne question, tiens. J'ai bien mis receive de l'autre côté, j'ai pas mis. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur encore? Envoyer dans send des single use. Je vois pas où est le problème. Alors que de l'autre côté, ils devraient le recevoir, ils ne reçoivent rien et tout. Oh, ça va encore me casser les fesses. Bah allez, passe pas comme... Voilà, ne bug pas trop, prends ton temps. Alors, ici, receive, on est au 25, donc single use battery, plus accepté. Il n'y a rien qui arrive, malheur. Mais qui vous a parlé du générateur? Il fallait mettre directement des batteries, telles que la MFE. Et oui, je sais, c'est con, mais bon, qu'est-ce que vous en pouvez-vous? Rien du tout. Moi, qu'est-ce que j'en peux? Beaucoup de choses. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. En réalité, après vérification, j'ai bien constaté que c'était les MFE qu'il fallait mettre là, d'ailleurs. Hein? Receive. Oh. Pourtant, je peux l'envoyer dedans. Oh, pourquoi tu ne reçois pas? Oh, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Pourquoi j'enchaîne les fails? Allez, t'es censé rentrer dans le système. Oh, allez, comment je peux les mettre dedans directement si ça marche pas ce système-là? J'ai bien une petite idée, mais bon. Elle me plaît pas cette idée, mais je vais quand même le faire. Je reprends une fois que c'est fait. Voilà, ça marche. En fait, il y avait des diesels qui bloquaient le tout devant. Mais bon, on va vite mettre un chest, ender chest, pour récupérer le surplus. Bah oui, car il y a un surplus, comme vous voyez, ça déborde déjà. Et il me faut un dja-dja, un diamant. Enfin, je pense qu'un surplus. Ouais, ça va arriver au bout un moment. Ou peut-être pas, en fait. Mais j'en sais rien.
Ouais, ça arrive au bout. Et donc, il me faut des glass fiber. Oh, j'ai presque plus de glass fiber. Pas grave, on va crafter 64 d'un coup. J'ai bien dit 64, hein. Tac, tac, tac. Ça, j'ai plus besoin de mes items Tesseract. Mes sels, j'en ai pas besoin. Et bah, il me faut plus que mes glass fiber pour faire une connexion supplémentaire. Et ça me fera de l'énergie supplémentaire, même si c'est pas énorme, énorme. Ce sera toujours ça. Vous avez déjà vu, en plus, ça s'assise assez rapidement. Donc, c'est déjà ça de gagner. Moi, je suis assez content. Il faut juste mes glass fiber. Et j'aurai donc. Et comme je vous le disais il y a 5 secondes, j'ai donc réussi à full automatiser ma distillation tower. Et cette fois-ci, c'est prouvé par le DPH du DPS du décembre. On regarde, décembre, c'est un bon mois. Ok, j'ai raconté cette connerie comme ça. Et cette fois-ci, c'est pour du bon. Donc là, ça envoie en surplus et ça produit. Non, je produis quand même pas du 128 œufs en permanence. E-Reader. Du combien je produis ici? Du 1280? Ouais, mais single use doit diminuer là, rassurez-moi. Ah oui, ça a tendance à diminuer. Donc à un moment, je pourrais retirer les méfaits. Ouais, c'est. J'ai des doutes, je pense que ça reste stable. Hein. Je sais pas, je verrai ça plus tard, mais si j'arrive à produire du 1280 EU comme ça en permanence, stylé, stylé. Par contre, ça coûte du lead, hein, finalement. C'est pas gratuit, gratuit. Le rubber et le copper, je l'ai infini, mais le lead, je l'ai pas encore automatisé. Je l'automatiserai un peu plus tard. Et maintenant, on va se reprendre pour la fin de l'épisode, mais pour une partie assez spéciale. Une partie que j'attends depuis assez longtemps, comme je vous l'ai dit, et que vous allez kiffer votre race. Et voici enfin un craft que je voulais réaliser depuis très longtemps. C'est le Nano Suite Helmet. Non, je rigole bien entendu. C'est l'hybride Solar Panel Helmet. Enfin, hybride Solar Helmet quoi. Non, Ultimate, pardon. C'est Ultimate, pas l'hybride. Ultimate. C'est celui-ci que je viens de crafter. Depuis longtemps maintenant que je l'attends. Oh. Et maintenant, je peux enfin le crafter. Petit à petit, j'y arrive. Et au passage, j'en profite pour faire un craft que j'ai pas fait depuis le début. Hein. C'est le craft de l'Ultimate Hybrid Solar Helmet. Enfin, je veux dire plutôt, je vais enfin crafter mon Ultimate Hybrid Solar Panel, mon tout dernier, mon 11e pour faire mon casque. Mon tout dernier. Ah, quel moment de bonheur. Hop, maintenant que c'est fait, il faut plus que faire la recette. C'est ceci. Il me manque quoi donc? Il manque des advancets. Deux petits advanced circuits. Le truc le plus simple au final. Allez, crafte-toi. Parfait. Tac, tac, tac. Et un ultimate Solar Helmet. Ah, super. Il me reste encore quand même tout le quantum à réaliser. Mais l'ultimate Solar Helmet, c'est celui qui me rend le plus heureux. Dans le sens que c'est lui qui me permet de crafter mon dernier hybride Solar Panel. Et mon dernier hybride Solar Panel, c'est quand même. Un moment mythique dans le temps que j'ai passé à jouer. Bon, j'ai une tête un petit peu moche, mais bon. Bien sûr, comme vous vous en doutez, je ne peux pas me limiter seulement à l'Ultimate Hybrid Solar Helmet. Je dois aussi me crafter ma petite Gravity Split. Alors, pour ce faire, il nous faut une Quantum Suite ainsi qu'une Nano Suite. On va commencer par la Nano. Hop, c'est fait. Ensuite, il me faut donc ma Quantum. Ça aussi, c'est fait. Et enfin, il faut tout ça. Donc j'ai automatisé ceci, hein, ça fait donc ça coûte beaucoup d'items de ressources. Ça coûte même énormément. J'avais beaucoup de UU au début, j'en ai largement moins maintenant. Mais c'est pas grave, j'ai crafté ma gravie. Ah, ma gravie. Hop, allez, on va la recharger au soleil. Et produit. Ah voilà, il la recharge. Ah, c'est quand même beau la vie. Franchement, j'adore. Et maintenant, on va passer à la suite des crafts. Et la suite des crafts, c'est encore un item de la Quantum. C'est le Quantum Suit Leggings. On va commencer par le nano, bien entendu. Hop, c'est fait. Le Leggings, c'est fait. On le prend. On retire la nano et on met le nouveau. Oh zut, c'était une nano suite. Ah, c'est pas des.
Bah zut alors. Bien entendu, je ne peux pas m'arrêter en si bonne voie alors qu'il manque plus qu'un item. Les Quantum Bots, hop, hop. Et les Quantum Suite Boots. Ah! Full non, full gravy, full quantum, full tout, ta, c'est moi. Je suis Shen-Chi, le grand, le puissant. Le tout grand puissant Shen-Chi. Shen-Chinator. Shen-Chinator. Bien entendu, il y a un moment où je dois faire un truc avec ma gravie. Auto-Enville. Oh, c'est une auto-Enville. C'est juste. Ah, c'est pas une ville normale. On. Comment on crée une ville? Comme c'est qu'il faut. Je t'ai crafté ceci. Ouais! On la place genre ici. On met ma gravie ici. Et on peut la renommer. Et bien sûr, il y a un nom que j'ai envie de lui donner à celle-là à chaque fois. C'est Crash. Mon deuxième pseudo. Et j'ai envie qu'elle s'appelle Crash, tout simplement. Putain, j'ai cru qu'elle avait disparu. Oh! Le coup que j'ai eu. Ouh, j'ai eu chaud. Chaud, chaud, chaud. En tout cas, me voici avec ma gravie qui s'appelle Crash. Alors, est-ce que je vais les auto-enchanter mes items? Non. C'est aussi bien comme ça. De toute façon, je suis surcheaté, donc c'est pas si mal. Encore une chose que j'ai envie de faire, c'est ceci. D'abord, on va déconnecter le truc. Et en fait, c'est agrandir ceci une fois pour toutes, l'agrandir correctement cette fois-ci. Car là, j'étais parti un trop loin par là, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était, et on va agrandir de la taille qu'il faut. Alors, j'hésite toujours à faire un d'auteur en plus. Ça, c'est un vrai problème, car je connais pas du tout ma réponse. Mais je pense que un d'auteur en plus serait pas si mal. Hein. On est d'accord, hein. On est tous d'accord. De toute façon, je vous laisse pas vraiment le choix, vous êtes d'accord ou pas, quoi. Soit vous êtes d'accord et tant mieux, soit vous l'êtes pas et tant pis. Hop, donc il faut juste que je casse ça sans trop casser, car là je casse tout un petit peu n'importe comment. Voilà. Et je vais me faire une super taille. Ah non, ça aussi. C'est comme ça avec des hits ici, c'est ça? Ouais. Je suis bien là comme ça, tac tac tac. Ah, encore un truc que j'ai upgradé à d'une de ses forces. Et ça, je dois le casser aussi. Aïe. Ça fait beaucoup de dégâts, mine de rien, mon speed 3, fortune 5. Hop, 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 hop. Je dois juste rajouter deux patterns. Comme ça, je suis sûr d'en avoir assez jusqu'à la fin de la partie. Et après, tout le reste sera des CPU. Pour vraiment avoir suffisamment de place, enfin pour pas avoir de problème de place en gros quoi. Et ici c'est que des heat vents. Ouais, donc voilà, j'ai rajouté pas mal de CPU au final. Et tous ces CPU vont m'être vachement utiles, ça pourra me faire accélérer la vitesse de mes crafts, car j'ai remarqué que j'avais des crafts qui dépassaient les 10 recettes différentes enchaînées. Et donc là, ça pourra me permettre avec tout ce CPU d'entamer plusieurs recettes d'un coup. Vu que finalement, j'ai beaucoup de trucs à faire. Hein. Je suis arrivé loin dans la partie, loin dans le jeu. Donc il y a beaucoup de choses qu'on demande de me faire. Mais j'ai pas agrandi mon truc. Bah non, je l'ai pas agrandi. Malin va. Je dis que je veux l'agrandir et je laisse. Oups. J'ai rajouté du CPU quelque part. Zut! Si. Où est-ce que je rajoute? Non. Le mode activa. Oh, c'est la caca, c'est le caca, c'est le caca. Il faut que je rajoute tous les patterns là-dedans. Oh là là. Bonjour pour une fois que j'ai tout fait, car là, ça ne va pas. Tada! C'est réalisé! Elle est plus grande qu'avant. Faut quand même l'admirer. Cette page, dont déjà, je sais pas combien de pages pleines. Une pleine. Deux pleines. Non, il y en a trois pleines. Trois pleines et quatre pleines. Dont trois vides. Enfin, dont deux vides et une entamée. Donc voilà, ça fait une grosse, grosse, grosse table de craft avec beaucoup de CPU. Donc je préfère beaucoup de craft en même temps. Non, il n'y aura pas de problème de ce côté-là.
Lui qui demande du lead et du lead, mais bon, ça c'est autre chose. Non, c'est le macérateur que j'aurais dû faire ça. Oh, bah, il le fait donc y a pas de souci. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans cet épisode. Enfin, j'ai surtout fini automatiquement. En fait, j'ai pas fait énormément de choses quand j'y repense. Mais c'est surtout le fait que ça me permet de faire un petit épisode transition avant de préparer le prochain épisode qui sera, je l'annonce, et cette fois-ci c'est sûr, sur les réacteurs nucléaires. Et oui, comme vous avez pu le voir, malgré que j'ai automatisé tout ça, malgré que j'ai plus de diesel sel qu'il n'en faut, donc je suis à 2100, donc j'ai un surplus, je n'arrive pas à atteindre les 8000 EU, donc je n'arrive pas à avoir un gain d'énergie dans mon IDSU. Je n'ai toujours pas atteint donc mon objectif. Sur le côté, je suis tout le temps en train de faire des abeilles. Hein. Il y a peu, j'ai obtenu mes abeilles qui font du lead. Ainsi que celles qui font du platinium, qui sont maintenant réalisables. Donc, les valuables. Donc, petit à petit, je reprends. Enfin, je progresse. Je suis maintenant à 8, 9, 18, moins 9, 18. 8, 16, 24, 23. Je suis donc maintenant à 23 alvéari. Bientôt avec 24 avec celles qui font du platinium. Il manque juste un couple et de quoi faire l'alvéari. Et donc voilà, donc mine de rien, je commence à progresser. J'y arriverai certainement à mon objectif, donc jouer en full automatique avec donc des ressources infinies et sans perte d'énergie, sans rien du tout. Je dois juste attendre certains trucs, observer. Ça joue sur la durée pour le moment, car maintenant, ce que je fais, les grosses machines que je fais comme celle qu'on a fait pendant ces deux derniers épisodes, c'est une machine qui prend sur le temps. Soit je peux faire des calculs, mais je dois pas me tromper, et ça, c'est assez dur. Soit je me lance dans l'exercice et j'observe par la suite. Par exemple, là, je vois bien que je ne réalise pas du tout assez de ME single use, truc bazar chouette, enfin des ME single use batterie. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à visualiser, à comprendre et à essayer avant d'arriver sur une réponse concrète et enfin affirmative qui va fonctionner à coup sûr. Donc sur ce, les amis, je vous dis salut et à prochaine. Bye.